Je suis Jos Alfranc, donc manager du team Honda SR Motoblues et anciennement pilote de Supercross et Motocross. Alors donc moi j'ai été aussi champion de France de Supercross en 2012. J'ai gagné le Supercross de Paris-Bercy et après j'ai réussi à faire plusieurs top 5 championnat du monde motocross, j'ai fait championnat de Supercross aussi, championnat d'Europe, championnat d'Allemagne. Donc voilà, c'était essentiellement une carrière typée Supercross. Alors pour nous le kit déco c'est très très important parce que c'est l'image. Voilà, ça représente la déco de la moto, ça représente nos partenaires, ça représente le team. Donc pour nous, on doit avoir vraiment une déco qui soit représentative du team. Donc on attend bien sûr la qualité, mais on attend aussi que ça soit un beau design, que ça soit brillant, que ça en jette. Donc voilà, on est vraiment... Le kit déco fait vraiment passer le côté publicité, mais aussi sponsoring et vraiment image de la structure. Alors du coup, ce kit déco et cet adhésif est vraiment top. On est en train de travailler avec Rider Enic et Exis, et c'est vraiment une déco, une matière qui résiste aux frottements, aux rayures. C'est vraiment une qualité qui est vraiment indéniable pour le sable. Surtout, on le sait, sur des courses de 3 heures, c'est très très difficile. Donc nous, on recherche en fait une qualité déco qui va aller dans la longévité et dans l'efficacité, parce que c'est vrai qu'on le sait, le travail des bottes sur le sticker, c'est très très difficile. C'est toujours des parties assez compliquées à travailler, donc on est très content d'avoir une kit déco qui tient sur la longévité. Écoute, en trois mots, cette gamme, je la qualifierais de qualité, efficacité et brillance, beauté. Voilà, on va être sur un côté assez déco et assez sympa de la qualité de la déco. Oui, nous on recommande cette gamme parce que c'est vrai que Exis c'est une marque d'adhésif en fait. Ils font que améliorer la qualité de l'adhésif. On le voit sur différents supports, que ce soit la voiture, que ce soit la moto. Et pour nous c'est vraiment important, comme on l'expliquait, parce que c'est l'image du team qui est représentée sur la moto. Donc je la conseille parce que vraiment on passe un cap. Et donc voilà, si on veut une belle moto à l'arrivée, c'est parfait. Et donc on retrouvera donc team donc au Touquet bien sûr, sur tout le championnat de France des sables, sur l'intégralité du championnat MXGP et MX2, et championnat de France motocross, et après le Supercross de Paris, donc voilà, et on espère le plus longtemps possible.